Allez, anglais, ça faisait longtemps. Jusqu'au jour où je vais le finir, qu'est-ce que je vais faire après? Aïe, aïe, aïe. Ah, j'ai problème technique. Problème technique est réglé. Par quoi j'attaque? Commencer par là, tant pis. Quand on marche, on fait des pas. To take steps. Ne conduisez pas après avoir pris ce sirop. Don't drive. Don't drive after taking this liquid medicine. Cet acteur célèbre a eu un cancer de la peau. Acteur célèbre a eu un cancer de la peau. This famous actor had skin cancer. Le médecin pense que c'est un cancer de la peau. The doctor thinks it's skin cancer. Nous ferons tout pour que tu te sentes mieux. I am well. Non, c'est pas ça. C'est we will. We will do everything so that you feel better. Elle a eu un cancer du sein il y a 20 ans. A eu un cancer du sein il y a 20 ans. She had breasts. Answered 20 years ago. Si tu tousses, tu devrais prendre du sirop. Ah, j'étais sûr de moi en plus. If you are... Alors, comment on dit ça? Cooking? Cooking? Coughing. 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 Well, if you are coughing, you should take some liquid medicine. Ah, j'ai oublié liquide. Elle fera tout pour que le cancer disparaisse. Fera tout pour que le cancer disparaisse. She will do anything so that the cancer disappears. Anna ne va pas bien. Elle a l'air très inquiète. Elle a mal à un sein. Elle va chez le docteur. She has breast pain. She is going to the doctors. Comment je vais me rappeler? Je vais me faire ban de. Je vais me prendre un ban sur Twitch sans la force de parler de choses bizarroïdes. Comment je vais me rappeler de prendre tous ces médicaments? Je le note ici pour que vous ne l'oubliez pas. I am writing it down here so that you don't forget. Si tu tousses, tu devrais prendre du sirop. Coughing. Coughing, j'ai dit. Coughing. Coughing, yes. If you are coughing, you should take some liquid medicine. Next. Oh, je me suis trompé. Je me suis trompé de titre. Allez, faut corriger ça. C'est fait. Je crois que j'ai cancel un exohard. La souris a fait double clic. J'ai même pas vu passer. 1. C'est quelle heure? Ok, parfait. Hey. Réveillé. Awake. Père. Father. Celui.
Oh, so one. Plus de. Sa more. Santé va-t-elle s'améliorer rapidement? Santé va-t-elle se rapidement? Is her health going to improve quickly? Elle. She. Courir. To run. A. To. Guérir. To cure. Samedi. Saturday. C'est dur de se battre contre un cancer. Claire. Cancer. It is hard to fight against a cancer concept. Nous allons déjà mieux, c'est super, mais pour que nous allions... À Lyon. C'est pas ça. Allons, à Lyon. Si nous allions déjà mieux... À Lyon. C'est super, mais pour que nous allons tout faire, nous devons encore nous reposer. À Lyon. Qu'est-ce que c'est ça? À Lyon. Mais pour que nous allions tout... Oh, fou là, d'accord, c'est pas tout faire. Mais pour que nous allions tout à fait bien, nous devons encore nous reposer. Elle fera tout pour que le cancer... She will do anything so that the cancer disappears. Pour que le bébé s'endorme, sa mère lui donne le sein. Il s'endort toujours comme ça. The breast of pregnant woman change, it's normal. Les seins des femmes. Des femmes enceintes. Change, ce est homme normal, homme. Bruno court encore ou il est déjà réveillé? Non, alors c'est dormir. Is Bruno still sleeping or is he already awake? L'infirmière s'occupe-t-elle bien de son patient? S'occupe-t-elle bien de son patient? Is the nurse taking good care of her patient? Ce bébé ne quitte pas le sein de sa mère. Formidable. This baby is not leaving his mother's breast. Le médecin te conseille-t-il de faire du sport? Does the doctor advise? Qu'est-ce que j'ai écrit? Does the doctor advise you to exercise? Si tu as mal à la gorge, un thé avec du miel peut te guérir. If your throat hurts, tea with honey can cure you. Ben, quel conseil le médecin t'a-t-il donné pour que tu ailles mieux et que tu continues à faire du sport malgré ton accident? Ben s'est fait mal. Le docteur dit que c'est un cancer du sein. The doctor says it is a breast cancer. Pourquoi j'ai pu sur off? Moi, je ne sais pas. Arthur est un très bon médecin qui a guéri beaucoup de gens, mais il en a marre et voudrait tout arrêter pour devenir chanteur d'opéra. Arthur veut changer de travail. The patient is not awake. He needs to sleep. Le patient ne s'est pas réveillé. Il a besoin de dormir. Ah, ce n'est pas réveillé. Le docteur dit que c'est un cancer du sein. The doctor says it is breast cancer. The patient is not awake. He needs to sleep. Le patient n'est pas réveillé. Il a besoin de dormir. Next. Moi non plus, je suis pas réveillé. 1h40 du mat, je fais de l'anglais, tout va bien. Fils. Son. Soigné. To treat. Calmement. Calmly. Clairement. Clearly. Super. Great. Nous nous souviendrons longtemps de ce virus. Nous souviendrons longtemps de ce virus. We will remember this virus for a long time. Ce médicament guérit ta maladie, mais tu dois le prendre pour qu'il te guérisse. Guérisse. C'est un jour férié, le cabinet médical est fermé. Jour férié.
le cabinet médical fermé. It's a public holiday, the doctor's office is closed. On voit si on peut prendre un rendez-vous au cabinet médical pour qu'un médecin voie notre fils. Voix. Try again. Voix. Elle a 4 ans, elle fait de petits pas. Poids. Pas. She is 4 years old, she takes little steps. Ne marche pas si vite, j'ai des petites jambes, alors je fais des petits pas. Eh oui, ma vie est plus difficile pour les gens petits. Don't walk so fast, I have little legs, so I take little steps. C'est vrai, faire la même distance, il faut qu'il fasse plus de pas. Sèche-toi les cheveux avec le sèche-cheveux. Sèche. Dry your hair with the hair dryer. J'ai pris rendez-vous avec le coiffeur de ma mère au cabinet médical du village. Non, avec le docteur Murray. I made an appointment with Dr. Murray at the doctor's office in the village. Je soigne mes douleurs grâce à la gymnastique. I treat my pain thanks to gymnastics. Tu as les bras musclés, tu devrais te les sécher avant de sortir. Oui, les bras, quand ils sont musclés, il faut les sécher avant de sortir, c'est logique. Tu as les cheveux mouillés. You have wet hair, you should dry it before going out. Give him water so that he takes his pillow. Donne-lui de l'eau, comme ça il prend sa pilule. Donne-lui de l'eau. Que il. Pourquoi j'ai dit comme ça, il n'y a pas écrit ça. Give him water, c'est donne-lui de l'eau. Ok, donne-lui de l'eau qu'il prenne son cachet. Ah, c'est pour qu'il prenne. Ce médecin soigne ses patients grâce à un nouveau médicament. This doctor can treat his patients thanks to a new medication. Ce médecin travaille dans un cabinet médical et elle est tout le temps malade parce qu'elle attrape les virus de ses patients. Ce médecin a souvent des maladies formidables. This virus is a problem all over the world. Virus. This virus is a problem all over the world. Est un problème dans le en. Car tu as acheté une montre qui comptait tous les jours ses pas. Il a remarqué qu'il ne marchait pas assez pour être en bonne santé. Arthur ne fait pas assez de pas. She treats her patients with plants. Elle soigne ses patients avec des plantes. Give him water so that he takes his pill. Donne-lui de l'eau pour qu'il prenne sa pilule. Donne-lui de l'eau pour qu'il prenne cachet. J'y tiens en pilule. Eh ouais. These clowns entertain the children at the hospital. Alors, ces clowns divertissent les enfants à l'hôpital. Ces clowns divertissent les enfants à l'hôpital. Bien que nous soyons vieux, nous sommes en forme. Nous sommes vieux. Bien que sommes nous soyons, vieux. Je dis. Soyons. Vieux, nous, en forme. Even thought we are old, we are fit.
I think that will be all. Je crois que ce sera tout, bien que cette coupure ne soit pas belle, elle est moins grave que ce que nous pensions. Vous ne voulez rien? Vous n'achetez pas ou ce sera tout? Vous voulez autre chose? Vous voulez autre chose, ce sera tout. Do you want something else or is that all? Bien que ce clown ne divertisse pas tout le monde, il divertit quand même quelques enfants. Ces documentaires choquants sont parfois pour divertir des enfants. Non, c'est ces clowns amusants. These funny clowns are perfect for entertainment kids. Il n'y a pas écrit parfois. Ils sont parfaits. Je voudrais des pansements pour une coupure. Coupure. I would like some pinheads for a cut. Je vous en prie, madame, je suis triste de vous avoir vu. Je suis content de vous avoir aidé. You are welcome, ma'am. I'm happy to have helped you. Je crois que ce sera tout. Crois que c'est tout. I think that will be all. C'est une coupure profonde. Je t'avais dit de ne pas jouer avec ce couteau. That is a deep cut. I had told you not to play with this knife. Ces coupures ont l'air graves. Coupure. Ces coupures ont l'air graves. Allez à l'hôpital. These cuts look serious. Go to the hospital. Thank you very much. That will be all for this morning. Merci beaucoup. Ce sera tout pour ce matin. That will be all for today. Thank you very much. Ah bon? Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Next. Oh, perfect. Déjà 119. Eh ben. Comment je peux faire? En même temps, c'était un petit peu facile. Alors, quelle heure est-il? Ok. Je vais envoyer celui-ci pour réactiver un petit boost. Passe l'aspirateur, il y a des miettes partout. Vacuum. And there are... Ah, j'ai oublié comment on dit miettes. Everywhere. Crunch. Crumbs. Vacuum, there are crumbs everywhere. On entend le voisin qui ronfle à travers le mur. We heard the neighbor who snores through the wall. Il m'appelle toujours quand je fais la sieste. He always calls me when I make a nap. Quand je fais, c'est pas doux quand même. I take. He always calls me when I take a nap. Il ne faut pas que tu jettes les miettes n'importe où. Il s'est coupé la lèvre en tombant à vélo. He cut his lip while falling
of his bike. Je vous appelle, mais vous ne me rappelez pas. Vous ne me rappelez pas. I call you, but you don't call me back. Je ne veux pas que tu jettes ces vêtements. I don't want you to. To throw away these clothes. Okay. Flot J clip a through. Throw away. Vacuum. There are cramps everywhere. Passe l'aspirateur. Il y a des miettes. Partout. I buy only organic detergent. Je n'achète que de la lessive. Je n'achète que de la lessive biologique. I don't want you to throw away my old toys. Je ne veux pas que tu jettes mes vieux jouets. This natural detergent respects the environment. Ce détergent naturel respecte l'environnement. Ah, c'était lessive. Passe l'aspirateur, il y a des miettes partout. Un vacuum. There are some crumbs everywhere. Il m'appelle toujours quand je fais la sieste. He calls me all the time when I take a nap. Je vous appelle, mais vous ne me rappelez pas. I call you, but you don't call me back. Je ne veux pas que tu jettes ces vêtements. I don't want you to throw away these clothes. This natural detergent respects the environment. Cette lessive naturelle respecte l'environnement. Yeah. Allez, next. Il est fréquemment malade, alors on est inquiet. Est fréquemment malade. Alors, on est inquiet. It is frequently sick, so we are worried. Mark est content d'avoir de l'aide, bien qu'il soit capable de faire ça seul. Je n'y serais jamais arrivé sans ton aide. I would have never been able to do it without your help. Bien qu'elle soit chère, j'achète cette crème parce qu'elle est très efficace. En hiver, mes mains sont souvent sèches, mais heureusement, j'ai une bonne crêpe. Une bonne crème. Je crois que j'ai dit crêpe, mais bon, c'est pas grave. In the winter, my hands are often dry, but fortunately, I have a good lotion. Ne conduisez pas après avoir pris ce sirop. Pas après avoir pris sirop. Don't drive after taking this liquid medicine. Je suis enceinte et le médecin m'a dit de
Nager plus fréquemment. Un brakeman, as the doctor told me to swim more frequently. Bien qu'il soit très occupé, il m'offre son aide. Aider. Aide. Heaven thought he is very busy. He offered me his help. Je lis ce sirop avant de me coucher. Non, je regarde. Non, je prends ce sirop avant de me coucher parce qu'il me donne envie de dormir. I take this liquid medicine before going to bed because it makes me want to sleep. Ce médecin passe fréquemment à la... Récemment. Fréquemment. This doctor is frequently on TV. Ma peau essaie bien que je mette de la crème. Quoi? Ma peau sèche. My skin is dry. Even I put on lotion. My skin is dry. Even ah oui, c'est bien que c'est even for. Vous devez voir le dentiste plus fréquemment. Fréquemment. Récemment. Fréquemment. You have to see the dentist more frequently. Even though it looks crazy, this doctor is great. Bien. Que il. Bien qu'il ait l'air fou, ce médecin génial. Bien que Junior boive ce sirop tous les jours, il dit à son père qu'il ne va pas mieux. Alors, bien que Junior boive ce sirop tous les jours, il dit à son père qu'il ne va pas mieux, mais en fait, c'est qu'il en aime beaucoup le goût. Junior ne dit pas la vérité, ne jamais dire la vérité. I would not be able to do it without to help, thank you. Surtout au tribunal, il faut dire la vérité. I would not be able to do it. Je ne serais pas capable de le faire sans votre aide, merci. Je. Ne. Arriverai. Pas. Qu'est-ce que c'est? Arriverai. I. Je n'y arriverai. Arriverai. Pas. Pas. Sans votre aide. Votre aide. Merci. Oh, c'est bizarre ça. Able, c'est capable, voilà. Bien qu'elle soit très chère, Marc utilise fréquemment cette crème pour le visage et il trouve qu'elle est vraiment très bien pour lui. Marc prend soin de sa peau. This doctor is frequently on TV. Ce médecin est fréquemment à la télé. Ma peau essaie bien que je mette de la crème. My skin is dry. Even thought I put on lotion. Next.
4. 4. Exactement. Exactly. L'heure. L'heure. Soit. Either to pay. Call the doctor so that he confirms the appointment. Appelle le médecin pour que il confirme rendez-vous. Appelle le médecin pour qu'il confirme. Tu devrais mettre soit un bonnet, soit un chapeau. Mettre soit un bonnet, soit un chapeau. You should put on either a beanie or a hat. It makes dogs so that we don't cry. Il fait des blagues pour que ne nous pleurions pas. Il fait des blagues pour que nous ne qu'est-ce que j'ai écrit? Il fait des blagues pour que nous ne pleurions pas. J'ai la peau sèche, bien que j'utilise cette crème. La peau sèche, bien que je utilise cette crème. I have dry skin, even though I use this lotion. Vous éternuez à cause des poils du chat. Je connais un médicament pour que vous éternuez moins. Ouais. Bien qu'elle coûte 1000 euros. Bien qu'elle coûte 1000 euros, cette crème est inutile. Even for it costs 1000 euros, this lotion is useless. Nous avons différentes marques de déodorants. We have. We have different brands of deodorants. Et deodorants. Gabriel, on met le déodorant sous les bras, pas sur les joues. Gabriel, you put deodorant under your arms, not on your cheeks. Appelle le médecin pour qu'il confirme le rendez-vous. Call the doctor so that he confirms the appointment. Les préservatifs sont très efficaces pour éviter les maladies sexuelles. Condoms are very effective at preventing sexual transmitted infections. Il y a soit cette crème-ci, soit. Il y a soit cette crème-ci, soit cette crème-là. There is either this lotion or that lotion. Mon cher petit chat, soit tu sors, soit tu rentres. My dear little cat, either you go out or you come in. Théo, soit tu mets du déodorant, soit tu te laves, mais s'il te plaît, fais quelque chose parce que je ne supporte plus ton odeur. Théo, ça m'en va. Promotion. This rose deodorants are on sale. Ces déodorants roses sont en promotion. Ces déodorants roses sont en promotion. Bien que papy déteste ces médicaments et oublie souvent de les prendre, il va mieux qu'avant. Le médecin ne comprend pas pourquoi. Parce que les médecins n'ont pas la science infuse. Papy va très mal. Papy n'oublie pas. Papy est en meilleure santé. Le médecin dit qu'il ne faut pas que vous oubliez que les préservatifs sont très importants. Ils nous protègent de beaucoup de maladies. Les préservatifs donnent une protection. He makes jokes so that we don't cry. Il fait des blagues pour que nous pas. Il fait des blagues pour que nous ne pleurions pas. This rose deodorants are on sale. C'est déodorant. C'est pas ça. Ah si. Ah, la rose sont en promotion. Ces déodorants la rose sont en promotion, c'est bon. Perfect. Problème technique. Bon, non, c'est bon. Pas de problème technique.
Avec tes grandes jambes, tu fais de grands pas. With your big legs, you take with your tall legs, you take big steps. Yeah. Even 40 years very busy, he offered me his help. Il est très occupé. Il m'offre son aide. Bien qu'il soit très occupé. Il offre. Non, c'est il m'offre son aide. Aide. Bien qu'il soit très occupé, il m'offre son aide. Bien que vous annuliez le rendez-vous, vous devrez payer. Even fought. Bien que vous annuliez le rendez-vous. Even fought. You are canceling the appointment. Vous devrez payer. You will have to pay. Anyway. I would not be able to do it without your help, thank you. Je n'y arriverai pas. Sans votre aide. Merci. Je n'y arriverai pas sans votre aide, merci. Le docteur dit que c'est un cancer du sein. The doctor says it is breast cancer. Dry your feet to put on your socks. Sèche tes pieds pour mettre tes chaussettes. Sèche-toi les pieds pour mettre tes chaussettes. Sortez. T'a-t-il donné le numéro du cabinet médical? Did he give you the number to le cabinet médical? Ah oui, c'est ça. To the doctor's office. Did he give you the number to the doctor's office? I'm not going to be able to do it. To do it alone, I need help. Je n'y arriverai pas tout seul, j'ai besoin d'aide. Je ne vais pas y arriver tout seul. J'ai besoin d'aide. Le médecin te conseille-t-il de faire du sport? Te conseille-t-il de faire du sport? Does the doctor advise you to exercise? Il nous divertit pour que nous oublions notre maladie. Oublions. He entertains us so that we forget our disease. Le clown Bozo divertit les enfants malades. Bozo, le clown, divertit les malades. Bozo, the clown, entertains six children. Next. Oh, j'ai fait un perfect. Oh ouais. Je suis étonné, mais bon. Allez, là ça va pas être imperfect, hein. Ça m'étonnerait. Du coup, il est 40 heures, ok. Pour que les patients aient leur petit déjeuner, ils doivent être réveillés tôt, même s'ils ont encore sommeil. Ça va, le docteur m'a donné des cachets pour que je ne souffre pas trop. Ah, je suis contente que tu ailles mieux. Oh, I'm happy that you are doing well. Amélie est encore très fatiguée, mais grâce à ce médecin, elle a guéri d'un cancer du sein et elle va déjà beaucoup mieux. Amélie n'est plus malade. Ma grand-mère dit que ces herbes guérissent tout. Essaye-les. Je
j'essaierai n'importe quoi pour me sentir mieux. I will try anything to feel better. Le patient va bien, mais il n'est pas réveillé. The patient is doing well, but he is not awake. Ma grand-mère est morte d'un cancer du sein. My grandmother died. J'hésite entre to et from. Enfin, je vais essayer avec from, mais ça ne doit pas être ça. De. From. Breast cancer. Ah oui, c'est ça. My grandmother died from breast cancer. The breast of pregnant women changes its normal. Les seins des femmes enceintes. Change cette normale. Cette tisane peut guérir certaines maladies. Cette tisane. This. Ah, comment on dit tisane? Tisane. Herbal tea. Oh, j'avais oublié ça. This herbal tea can certain diseases. This herbal tea can cure certain diseases. Le docteur dort. Il n'est pas encore réveillé. The doctor is sleeping. He is not awake yet. Cette patiente accepte-t-elle la situation? Cette patiente accepte-t-elle la situation? Yes, yes. Patient accept. Yes, this patient accept her the situation. Does this patient accept the situation? Does this patient accept the situation? The doctor says it's breast cancer. Le médecin dit que c'est un cancer du sein. Sa santé va-t-elle s'améliorer rapidement? Does her health increase quickly? Non, kick. Ah oui, j'oublie, va. C'est improve, increase. Améliorer. Increase, decrease. Is our health going to improve quickly? Does this medication cure the flu? Est-ce que ces médicaments soigne la grippe. Est-ce que ces médicaments guérissent la grippe? Donc soigner, c'est pas bon. Pourquoi préfère-t-elle cet infirmier-là? Parce que c'est un beau gosse, tiens.
Why does she prefer this this nurse? On dit nurse aussi. Infirmier. Why does she prefer that nurse? J'avais dit que j'allais pas faire un perfect là. They gave me a pill so that I hurt less. Ils m'ont donné un cachet. Comme ça, j'entends moins. Ils m'ont donné un cachet pour que j'ai moins mal. Oh là là, c'est hurt, pas hurt. Oh l'erreur. Why does she prefer that nurse? Pourquoi préfère? Cette infirmière. On doit pouvoir dire aussi infirmière. Wake her up if she is not awake yet. Wake her up. Réveille-la if she does not. She is not awake. Réveille-la si elle n'est pas encore. Wake her up if she is not awake yet. Réveille-la si elle n'est pas encore réveillée. Cette tisane peut guérir certaines maladies. This herbal tea can cure. Est-ce que ça marche, Somme? Certaines. This is us. Ah oui, ça marche. Cette patiente accepte-t-elle la situation? Does patient accept the situation? Does accept the situation? Sa santé va-t-elle s'améliorer rapidement? Oh là là. Is her health going to improve quickly? Oh, I need to. Is her health going to improve quickly? Do this medication cure the flu? Est-ce que ces médicaments guérissent la grippe?
préfère-t-elle cet infirmier-là? Why does she prefer that nurse? Ah, ça c'est bon. They gave me a pill so that I hurt less. Ils m'ont donné une pilule. Comme ça, j'ai moins mal. Médicament. Comme ça, j'ai moins mal. Ça prend pas comme ça. Ah, ça aurait été like. Ah, médicament, c'est médecine. Why does she prefer that nurse? Pourquoi préfère-t-elle cette infirmière? Alors, ça, c'est cette patiente accepte-t-elle la situation? Is patient. Is patient accept her the situation? Does this patient accept the situation? Sa santé va-t-elle s'améliorer rapidement? Is health going to improve quick? Ay, ay, ay. They gave me a pill so that I hurt less. Alors, ils m'ont donné un cachet pour que j'ai moins mal. Cette patiente accepte-t-elle la situation? Cette patiente accepte-t-elle la situation? Alors, je m'en souviens plus. Bon, je vais essayer ça. Est-ce que c'est bon? Does patient Does this patient accept the situation? Sa santé va-t-elle s'améliorer rapidement? Is her health going to improve quickly? Cette patiente accepte-t-elle la situation? Does this patient accept the situation? Eh ben, j'avais dit que ça allait être dur. Combien de temps? 15 minutes. Wow. 50 minutes. Je reste chez moi parce que j'ai attrapé un virus. I'm staying at my base because I caught a virus. En général, il y a toujours des magazines dans la salle d'attente d'un cabinet magasin. In general, there are always magazines in the waiting room of a doctor's office. On voit si on peut prendre un rendez-vous au cabinet médical pour qu'un médecin ou un autre puisse.
Eh bien, c'était pas ça. J'ai fait la meurtre tout à l'heure. Oh, il va falloir que j'aille corriger les erreurs après, ça fait longtemps. Lui, il peut faire des grands pas parce que ses jambes sont deux fois plus longues que les miennes. He can take big steps because his legs are two times longer than mine. Ce médicament guérit ta maladie, mais tu dois le prendre pour qu'il guérisse. Marie a très vite guéri de sa maladie. Oui, les médecins l'ont très bien soigné. Yes, the doctor gave her really good treatment. This doctor treated my mother's cancer. Ce médecin a soigné le cancer de ma mère. This doctor treated. Le médecin a soigné. Ah. Pourtant, c'est ça. C'est le cancer de ma mère. Alors, c'est ce médecin, en fait. Soigné. Je comprends pas. Il n'y a pas écrit ce. Pourtant, c'est à soigner. A médecin a soigné le cancer de ma mère. Ah, c'est sept médecins. Quand mère, sept médecins a soigné le de ma mère. Tu veux bien te sécher les mains avant de toucher mes dessins? Ah pardon, je viens de finir la vaisselle. Oh sorry, I just finished doing the dishes. Ce médecin travaille dans un cabinet médical et elle est tout le temps malade parce qu'elle attrape les virus de ses patients. Ce médecin a souvent des maladies. Cet médecin a soigné le cancer de ma mère. This doctor treated my mother's cancer. Wendy se sèche toujours les cheveux avant de se coucher, sinon ils sont très difficiles à brosser le lendemain matin. Wendy dort les cheveux secs. Bah, elle a qu'à se laver le matin. Elle a 4 ans. Elle et fait oui. De petits pas. She has 4 years old. She makes little steps. She is 4 years old. J'étais presque. She takes. Fait. She takes little steps. Je fais un vœu pour qu'il te guérisse rapidement. I am making a wish. Wow, I'm making a wish so that it kills you quickly. My neck is cold. I'm going to dry my hair. My neck. Mon cou est froid. Je vais sécher mes cheveux. My neck. Et au cou, je vais sécher les cheveux. J'ai froid au cou, je vais me sécher. Avec tes grandes jambes, tu fais de grands pas. Avec tes grandes jambes. With your tall legs, you take big steps. J'ai froid au cou, je vais me sécher les cheveux. My neck is cold. I am going to dry my hair. My daughter caught a virus at school again. Ma fille a encore attrapé un virus à l'école. Ma fille a encore attrapé un virus à l'école.
Voix. 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 On voit si on peut prendre un rendez-vous au cabinet médical pour un médecin ou un autre fils. Elle a 4 ans. Elle fait de petits pas. She has 4 years old. She takes little steps. Next, my neck is cold. I am going to dry my hair. Alors, j'ai froid au cou. Je ai froid au cou. Je vais me sécher les cheveux. J'ai froid au cou, je vais me sécher les cheveux. Ah, c'est l'heure de la pause, break time. Yeah, break time. I will come back in 10 minutes.